Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo voilà, sur ce bunker à bûches. Alors une fois que vous l'aurez téléchargé dans le mode hub, vous le trouverez dans la catégorie outils. Voilà, c'est un lisard. Voilà à quoi il ressemble. Vous en aurez pour 1000 euros. Après, voilà, vous coupez vos arbres, des gros ou des petits, comme vous voulez. Voilà. Après, vous les chargez voilà, avec le manipulateur de Big Bag. Bon après faut les couper quand même assez grand. Et après voilà, c'est un petit peu plus facile pour les attraper. Bon là j'ai pris un télescope, mais vous pouvez le faire avec une chargeuse sur pneu, exactement le même système. Avec le tracteur, voilà, exactement comme vous avez envie. Après c'est avec ce que vous avez l'habitude de travailler. Voilà, je vous l'ai fait un par un, mais vous pouvez en prendre voilà, deux ou trois en même temps, il n'y a pas de souci. Ah, et puis par exemple, bon, bah, comme là, voilà, vous pouvez incliner voilà, et vous les pousser. Et comme ça, ben, vous pouvez charger plusieurs morceaux de bois en même temps, soit avec votre fourche à bois ou avec votre voilà, chargeuse frontale, télescope, etc. Après voilà, certains vous ferez attention, des fois quand les bois ils tombent, ça comment? Il y a une collision donc vous ne pouvez pas plus les attraper. Parce que tout à l'heure j'y arrivais pas du tout. Là, vous voyez vraiment les gros morceaux, là, il y a une collision dessus, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit bug. Mais après, voilà, vous pouvez... il vaut mieux les faire un par un pour être tranquille. Et c'est quand même un petit peu plus facile que la fourche à bois pour charger un petit peu plus rapidement. Après voilà, il y en a beaucoup qui font du forestier, donc une petite pensée pour eux aussi. Faut pas que de la culture, il faut pas, il faut un petit peu se diversifier et essayer de contenter tout le monde.
Oh, celui-là, il sera peut-être trop petit. Ouais, juste. Et voilà. Vous continuez comme ça, ainsi de suite. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, un petit commentaire ou un message, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!